Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur qui nous permet de pouvoir être ensemble ce soir. Nous voudrions inviter chacun d'entre nous à aller à l'essentiel de la vie chrétienne, c'est-à-dire rechercher Dieu et s'attacher à lui de façon résolue. Alors ce soir, nous ne sommes pas là pour faire un récital, mais nous sommes là pour faire un cœur à cœur avec vous. Nous voulons ensemble pouvoir adorer Dieu notre Père, alors que notre cœur se dispose pour ce temps d'adoration et que nous puissions rendre l'honneur et la gloire à notre Dieu, celui-là qui est vivant pour les siècles et des siècles. Amen.
peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Ben, il n'était pas prévu que j'intervienne ce soir. J'étais en train d'échanger avec la première responsable de Shadrach. Elle a voulu que je prenne le micro pour dire quelque chose à mes frères et à mes sœurs que vous êtes. Ce soir, nous sommes tous des adorateurs. Nous sommes tous, toutes des adoratrices. Celui qui doit être honoré et célébré, c'est Jésus-Christ. Et c'est très bien écrit sur les t-shirts du précieux cœur Shadrach. J'ai soif de toi, Seigneur. Nous sommes là ce soir parce que nous avons tous soif de lui. Nous sommes venus pour l'adorer, pour lui permettre de transformer nos cœurs, pour lui permettre d'être des chrétiens à la hauteur de ce qu'il attend de nous. On a pris de notre temps pour venir accompagner nos frères et nos sœurs ce soir. Et que le Seigneur puisse se souvenir de chacun de nous. Et je voudrais demander au nom du précieux cœur Shadrach l'indulgence de chacun d'entre vous. C'est une première édition. Ça ne sera pas la dernière. On espère pouvoir compter sur vous pour qu'ensemble, nous puissions adorer le Seigneur. Amen. Et je vais demander à tous les membres du cœur de bien vouloir avancer. Je salue la présence de Romaine Amani, grande chante devant l'Éternel. Je salue la présence de la bergère Dosso. Salue la présence de Maestro Assalé. Je vais donc demander à mes fieuls de se mettre à genoux devant tout le peuple de Dieu. Demander au peuple de Dieu de se mettre debout et de tendre les mains vers notre cœur, notre précieux cœur Shadrach, qui a besoin de nos prières, qui a besoin que nous puissions faire des bénédictions sur leur vie. Nous allons donc étendre les mains vers eux et demander au Seigneur de donner au précieux cœur Shadrach de pouvoir aller de gloire en gloire, de garder leur humilité, mais d'être de véritables adorateurs qui, pendant qu'ils adorent, ils louent Dieu. Des vies sont transformées. Pendant qu'ils adorent, ils louent Dieu. Des conversions sont rendues possibles. Pendant qu'ils adorent, ils louent Dieu. Ce que tu as permis à notre fondateur, le serviteur général Marcel Blé, notre papa, notre papy pour certains, de prophétiser sur la vie du précieux cœur Shadrach. Nous voulons voir cela advenir, arriver maintenant, pour qu'ensemble, avec chaque membre du cœur Shadrach, nous puissions encore et encore te glorifier. Amen, amen, amen. Nous voulons, en parlant du cœur Shadrach, faire de ce temps d'adoration un temps qui va permettre à nos frères, à nos sœurs de venir se ressourcer. Ça ne va pas être la dernière édition. C'est la toute première, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et nous voulons pouvoir compter sur votre soutien également. Moi, j'ai senti ça. Encore même pas. Pour être plus sérieux, il y a quelques jours, Dieu a permis que
Notre maman, la bergère Emmanuel Fox, est un an de plus. Alléluia. Alléluia. Elle a 17 ans. Je vous ai bien dit, Santi. Et tes enfants, nous voulons chanter un joyeux anniversaire pour toi, maman. Shadrach. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, maman, joyeux anniversaire. Je repars avec maman. Shadrach, vous restez en place. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut se mettre debout pour adorer encore le roi?
nom, tu peux le chanter. Si tu connais le chant, tu peux le chanter. Alléluia.
Thank you.
Cadio. Je suis avec madame. Et c'était vraiment merveilleux. Je suis content. En tout cas, tout simplement content. Si ça a recommencé, je reviendrai. Mais on veut dire merci. Vraiment merci de nous avoir invités à ce merveilleux moment. C'est vraiment à renouveler. Je dirais même, peut-être pas aussi grande envergure, mais si on peut le faire deux fois dans l'année en invitant la famille comme ça, ça nous permet de venir louer, adorer le Seigneur. Et là, on passera une très belle nuit parce qu'on reste dans la présence du Seigneur. Donc, je souhaite vraiment tout le bonheur à ce cœur. Je souhaite que Dieu soit vraiment présent dans leur ministère et que toutes les fois que une louange va sortir de leur bouche, que cette louange, la louange la retentisse vraiment au fond du pays, du monde. Merci de nous avoir invités. Voilà, nous venons d'assister à une très belle soirée. Le cœur Shadrach. Le cœur Shadrach nous a vraiment permis d'adorer le Seigneur, de louer le Seigneur. Et je souhaite au cœur Shadrach de toujours permettre à tous les adorateurs de Dieu de pouvoir mieux le louer le Seigneur. Et je leur souhaite bonne chance. Je suis heureuse, Lou Geneviève. Vraiment, j'ai adoré ce moment parce que toujours en présence du Seigneur, c'est une grâce et c'était une gloire pour nous. Vraiment, que Dieu bénisse encore le cœur Shadrach parce que la Bible dit qu'il siège dans la louange et que le Dieu Tout-Puissant les fortifie, qu'ils soient toujours unis, que Dieu même leur montre le droit chemin à suivre afin que le peuple de Dieu soit béni, soit élevé au nom puissant de Jésus. J'ai aimé ce moment. Nous avons organisé ce temps devant sa face pour nous plonger dans la présence de l'Éternel, notre Dieu. Nous sommes un groupe musical qui œuvrons pour l'évangélisation, mais au travers des cantiques, au travers des chants sacrés. Donc nous avons ce temps pour pouvoir nous mettre devant la face de l'Éternel, pour l'adorer, pour lui rendre l'honneur et la gloire, pour aller à l'essentiel de la vie chrétienne qui est la recherche de Dieu lui-même pour lui-même et non pour toutes les grâces et les bénédictions qu'il peut nous accorder. Donc c'est ce pourquoi nous avons dénommé notre temps d'adoration devant sa face, c'est-à-dire aller à l'essentiel en étant au pied de Dieu, au pied du Maître comme l'a été Marie dans la maison de Lazare. Et nous étions à cette première édition de ce temps parce que nous voulons en faire chaque année. Nous étions à cette première édition et nous avons trouvé des personnes qui ont embrassé ce désir que nous avons de pouvoir nous retrouver devant la face de l'Éternel. Nos frères et sœurs ont répondu massivement. Ils étaient là. Nos frères du ministère, nos parents, nos amis, nos amis chantres, ils étaient là avec nous et nous avons en ce soir adoré le Seigneur, nous l'avons glorifié, nous l'avons célébré comme il se doit. Donc nous disons merci à tous ceux qui ont pu effectuer ce déplacement-là et qui ont pu communier avec nous et nous leur donnons rendez-vous pour la prochaine édition de Devant sa face qui se tiendra comme Dieu le veut l'année prochaine. Amen.